Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour proposer spécifiquement aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, aux personnes qui sont des investisseurs, un accompagnement spécifique dédié. Alors je m'adresse à la fois donc aux chefs d'entreprise en France, mais je m'adresse aussi aux chefs d'entreprise au Canada, puisque j'ai la chance d'avoir des réseaux donc patronaux donc qui m'accueillent et dans lesquels je fais des conférences ateliers. Et comme je suis au Canada 2 fois par an, donc en octobre et au mois de mars, je suis en train de mettre en place un système donc de 3 jours et 3 jours avec des webinars entre ces donc ateliers pour permettre d'optimiser à la fois la performance et la réussite du chef d'entreprise. Alors d'abord personnellement, c'est-à-dire que pour moi le chef d'entreprise, il faut qu'il sache gérer donc à la fois donc ses capacités cognitives et émotionnelles, parce que Dieu sait que la vie d'un chef d'entreprise, c'est par des hauts et des bas. C'est peut-être ça même des fois qui fait notre motivation. On a besoin de cette adrénaline qui nous pousse à nous lever, on a besoin de cette motivation qui est la dopamine. Mais au-delà de ça, nous avons tous eh ben, un vécu, une expérience, et des fois eh bien, certains chefs d'entreprise qui ont bien réussi s'aperçoivent qu'avec un accompagnement ciblé, surtout quand on va travailler avec des techniques d'hypnose, de concentration spécifique, de méditation samatha, et de travailler donc avec des outils qui nous viennent des neurosciences, on va pouvoir libérer des freins et faire les choses avec aisance. Parce que ce qui est important, ce n'est pas forcément la réussite professionnelle, c'est réussir sa vie. Et réussir sa vie, c'est aussi réussir dans les différents domaines de vie. Et vous découvrirez, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, que nous avons des préférences neurochimiques au niveau de notre cerveau. Et là, avec des tests que je vais vous fournir, vous allez pouvoir découvrir comment vous fonctionnez et comment vous pouvez optimiser à la fois votre performance, votre capacité à être plus efficace en vous fatiguant moins et en étant dans, on va dire, le bien-être. Parce que être chef d'entreprise, on sait qu'on a toujours l'impression qu'il faut travailler plus que les autres. Il faut travailler beaucoup. Mais moi, je vais vous apprendre à travailler mieux. Alors, on va travailler sur le point aveugle, sur le point scotum, sur les points de réglage financier. Nous allons découvrir également, au-delà de nos fonctionnements, tels que nous avons dit, de la neurochimie, on va apprendre à connaître donc tout ce qui s'appelle le PAN, les pensées donc automatiques négatives sur lesquelles on lutte. On va travailler sur l'APU, c'est-à-dire c'est l'argument publicitaire unique, c'est un peu l'ADN et le cœur de l'entreprise. On va travailler donc sur les réflexions parallèles à tout projet, pour connaître un petit peu comment ça fonctionne. Et vous allez voir, on va travailler une sorte de mastermind, un mastermind d'élite que j'ai appris aux États-Unis en travaillant avec un groupe particulier sur 6 systèmes de pensée que nous allons faire à chaque fois. Ensuite, on va travailler donc à la fois, donc bien sûr, on va parler de l'intelligence émotionnelle, on va parler des boosters de croissance, on va parler de la gestion du temps, des 4 sphères de vie, donc de l'autodiagnostic pour travailler sur la relation, la focalisation, le levier du choix, de la planification, les priorités, l'énergie, parce que c'est l'énergie dont a besoin le chef d'entreprise. Comment on va régler notre énergie avec des exercices simples? Vous savez, toutes les 1 heure et demie, si vous faites un exercice particulier, une technique respiratoire, et vous pouvez faire comme je le fais là aujourd'hui. Je suis à ma 42e vidéo et ça fait 5 heures et demie de tournage. Voilà. Et on est obligé de faire des pauses pour que les assistants ne s'endorment pas. Voilà. Mais ça, c'est la gestion de l'énergie. Je peux vous dire que quand vous allez mener donc des réunions le matin, l'après-midi, le soir, vous êtes en pleine forme. Alors, on va travailler sur le JE 4P, on va travailler sur effectivement les activités de jackpot, la matrice des priorités, les leviers de priorité. On va aller dans l'économie de l'attention, on va aller dans la chronobiologie, on va travailler sur comment tenir une réunion. Ben, les gens qui sont addicts à l'action, à la dopamine, comment on fait pour se libérer de cette addiction. On va travailler sur le neurochangement. Vous allez voir comment on fait pour faire ça. On va être aussi dans la pleine conscience. On va travailler sur ce qui est les processus de concentration, de distraction, d'automatisme, la technique que j'appelle ABCD, les 4 phases du processus créatif, les diablotins qu'on a en nous qui nous empêchent d'avancer. Puis on va travailler, vous voyez, je suis en train de regarder tout le classeur des formations que j'anime en entreprise. On va travailler sur le leadership. Quel leader êtes-vous? Quel charisme avez-vous? On va travailler sur effectivement les différentes affirmations que nous avons. Nous allons travailler
sur effectivement donc votre expérience donc en termes de, on va dire, de valorisation. Je parle souvent du syndrome de l'imposteur dans lequel certains chefs d'entreprise des fois peuvent se retrouver parce qu'ils ont fait ça au détriment du reste. Et tout ceci, c'est ce que nous allons travailler sur 2 fois 3 jours pour permettre d'avoir à la fois donc un mastermind et travailler. Vous voyez, il y a les clés neurochimiques et il y a donc les différentes stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir, par exemple, ici, on est dans les curseurs rouges, voilà, business et finances, dans lequel on va travailler, par exemple, ce que j'appelle l'ADN de l'entreprise, avec effectivement les différents systèmes de pensée. Et puis nous allons travailler effectivement comment recevoir une vie, une critique, les 4 positions de vie fondamentales et de travailler donc sur les 5 sphères de vie pour être heureux. Donc c'est tout ceci que je vous mettrai dans un programme un peu plus détaillé que je proposerai donc au Canada, donc en octobre et au mois de mars, entrecoupé par des webinars, par un accompagnement pour vous permettre d'assimiler ceci. Et puis c'est toujours pareil quand on fait des masterminds, quand on fait ce type d'expérience collective, ben on se mêle à un groupe qui nous permet d'être plus fort, d'avoir une vision et puis surtout ce phénomène d'épigénétique, de pouvoir vibrer au même niveau, la même vibration pour élever nos vibrations fondamentales. À très bientôt et inscrivez-vous sur le lien de l'Académie de la Performance et de la Réussite pour être informé de tous ces magnifiques projets. À bientôt. Tu es venu jusque le Canada? Oui, jusque du Canada ici. Je suis venue en compagnie de ma sœur et on a visité Paris en même temps. Mais la première raison pour laquelle je suis ici, c'est pour les enseignements d'Olivier. C'est son enseignement simple et clair des choses de la vie. Et c'est un beau complément avec tout le reste des formations que j'ai faites. Puis vraiment, c'est la simplicité et la clarté de ces enseignements qui m'ont beaucoup attirée. Oui, quand on vit au séminaire, effectivement, on a un ressenti très important et on part complètement changé. Je suis Olivier depuis un peu plus de 2 ans et je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait et puis ça m'a changé ma vie. Donc, du coup, je suis vraiment très contente d'être venue parce que c'est la première fois que je vais au séminaire et je pense que je vais retourner le voir très très vite. Là, je ressors, mais boostée comme j'ai jamais été. Comme sur une fusée, sur une rampe de lancement, grâce à Olivier. Et on rencontre plein de monde, plein de gens qui sont sur le même, sur les mêmes intérêts. C'est juste magique. Mm-hmm.